Vous connaissez la Camorra, Cosa Nostra, les triades chinoises ou encore les cartels mexicains. Mais est-ce que vous savez qu'il existe des mafias du sable? Oui, ça existe. Le sable est la deuxième ressource naturelle consommée après l'eau. Et on en trouve absolument partout. Dans l'électronique, les puces, les microprocesseurs, les écrans de smartphone. On en trouve dans les vitres, tout le verre, bien entendu. On en trouve aussi dans le domaine de la construction, puisque le sable sert à faire du béton. C'est bien ce dernier secteur qui va attirer l'appétit des groupes criminels. Avec l'émergence très rapide de certains pays, on a une explosion de la demande en sable, notamment du fait d'une urbanisation très importante. Alors, l'extraction de sable est à l'origine une activité légale, bien entendu, mais c'est cette demande croissante qui va attirer l'appétit des groupes criminels, qu'on va donc appeler les mafias du sable. Elles vont s'intéresser à un type de sable bien particulier, celui des rivières, celui des fonds marins, celui des plages. Pourquoi? Parce que c'est le mieux pour avoir un béton bien solide. Autrement dit, le sable du désert ne les intéresse pas trop. Et ces groupes criminels vont s'appuyer sur une faible réglementation, mais aussi sur une corruption des autorités, soit locales, soit à plus grande échelle, où elles vont pouvoir opérer l'extraction de sable, mais aussi la vente de sable. Elles revendent ensuite ce sable à des entreprises de construction, générant d'immenses profits. De nombreux pays sont touchés par ce phénomène. Les pays les plus touchés, ce sont les pays où il y a du sable, bien sûr, et où on trouve la plus forte demande. Donc l'Inde, le Bangladesh, le Maroc, par exemple, sont extrêmement touchés par ça. Un rapport de l'ONU montre que la moitié du sable utilisé chaque année dans la construction marocaine est extrait illégalement. Bien entendu, on ne les appelle pas mafias pour rien. Ces groupes criminels emploient des méthodes tout à fait radicales pour préserver leur business. Plusieurs journalistes indiens ces dernières années ont été assassinés pour avoir dénoncé ces pratiques-là. Et puis, les activités des mafias du sable ne se limitent pas à la criminalité, elles ont aussi un impact important sur l'environnement, avec l'érosion des côtes, puisque le prélèvement excessif de sable accélère cette érosion, et puis il y a aussi un impact sur les écosystèmes aquatiques, les habitats naturels qui sont alors détruits. Voilà, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce phénomène, mais vous pouvez utiliser l'espace commentaire pour me le dire.